Rammstein, t'envoies du lourd. Je dirais The Earth Song de Michael Jackson. We are the champion. Thomas Sankara, révolutionnaire, écolo, qui ose. Le basket, pour les paniers à 3 points. En futsal, ça s'arrête jamais, c'est très cardio. Un piano, pour écrire de belles mélodies. Il faudrait un instrument qui n'existe pas, c'est-à-dire une guitare électrique du futur. Parce que Connexing, on se projette déjà dans le futur. Allô? Olé! Ah, le Fairphone, non, ce qu'ils essaient de faire avec le Fairphone. Au moins, ils essaient. Le 8232 Alcatel, valeur sûre. Le Fairphone. Eh bien, ce serait forcément Fairphone 2. Parce que c'est le seul smartphone éco-conçu. Un koala des îles du Sud. Parce que c'est mythique. Bah, le colibri. Le colibri, bien évidemment. Parce qu'on l'a complètement intégré au storytelling de Connexing. Et puis parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, le colibri, c'est celui qui fait sa part. Et que je pense qu'à notre niveau, chez Connexing, on fait notre part pour la préservation de l'environnement. Un peuplier, ça résiste à tout. Spontanément, j'aurais mis un chêne parce que c'est le symbole pour moi de l'arbre dans toute sa splendeur. Pour autant, je vais être aussi pragmatique, ce serait un arbre tapias, qui est l'arbre du ver à soie que nous plantons actuellement à Madagascar afin que les Malgaches se réapproprient cette industrie du ver à soie qu'ils avaient perdu. Un grand chêne. Pas pour la tête de gland. Hein. La fermeture éclair. Pourquoi ? C'est pratique, tout le monde en porte une à un moment ou à un autre. À la voiture électrique. Les États-Unis pour le management en vol américaine. Madagascar, puisque c'est un des pays partenaires avec lequel on plante nos arbres.